Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce gameplay commenté de League of Legends. Alors gameplay commenté en live, hein, parce que enfin en live, en direct dans le sens où je joue en même temps que je parle. Alors j'ai décidé pour la première partie de LoL, c'est la première que je vais poster sur ma chaîne, de faire un truc qui soit pas en live parce que ça me permet d'être beaucoup plus posé et de vous expliquer un petit peu mon ressenti par rapport au jeu, ce que j'ai prévu de faire, des choses comme ça, et puis voilà, des trucs comme ça. Alors, on va faire simple, donc là je joue Zira au mid, c'est pas un pick très commun, donc pour les connaisseurs, bah vous savez pourquoi et tout. Donc si vous connaissez pas League of Legends, ça va être technique, c'est-à-dire que c'est un jeu technique, il faut connaître le jeu pour bien comprendre ce que le joueur fait, sinon vous allez vraiment être perdu. Donc je vous invite à apprendre à y jouer en regardant divers guides qui peuvent être sur internet, à y jouer le plus possible, mais je vais vraiment pas m'attarder sur l'explication du jeu. Si ça vous amuse de regarder et d'essayer de comprendre par vous-même juste en regardant, bah bon courage, c'est possible, hein, mais bon courage. Mais honnêtement, vu que c'est un jeu gratuit, je vous invite à essayer d'y jouer tout simplement. Donc là, oh, la ward du Nunu est assez intéressante. C'est rare à ce niveau, enfin c'est rare à mon niveau en général que quelqu'un ait foutu une ward aussi loin, mais elle est intéressante parce qu'elle donne de la vision sur leur rouge et peut-être qu'ils veulent aller le counter, je sais pas. Bon, donc là une bonne team, hein. En bas il y a Nami Varus contre, si j'ai bien regardé, Ezreal Fiddle. Ouais, Fiddle Stick Support, c'est pas commun non plus, mais ça se fait, c'est viable je trouve. Moi je joue contre Ziggs, alors ça devrait aller, hein. Qu'est-ce qu'il fout, je me demande. Bon, il va perdre de l'XP en tout cas, ça c'est certain. Donc écoutez, on va pas s'en plaindre, hein. Moi si je peux lui faire perdre un petit peu d'XP avant qu'il arrive. Ah non, celui-là il l'aura eu, tant pis. Donc fils de Ziggs, c'est pas, voilà, c'est pas du pic hyper agressif. Ouais, il est quand même assez agressif le petit monsieur. Il joue avec quoi? D'accord, il a fait flasque popo ward, c'est intéressant. Moi je suis un fervent défenseur de Zira au mid. Je sais que, enfin c'est pas joué, je sais que c'est un perso qui est considéré comme un support actuellement par les gens qui... Bah dans la méta actuelle, mais franchement je suis pas tout à fait d'accord. J'ai un peu un regret, c'est d'avoir starté avec ma plante. Ça m'empêche complètement en fait de... Putain, il fait mal, hein. Il fait super mal. Il est vachement agressif ce Ziggs. Mais là il a fait n'importe quoi par contre. Il a fait vraiment n'importe quoi. Bah tant mieux, j'ai envie de dire. Tant mieux. Parce que honnêtement, là, enfin bon, il m'a remis bien. Il agressait 1000 fois plus que moi j'agressais. Donc du coup j'étais super mal. Et puis je sais pas, là il a complètement voulu chercher un dive débile. Et du coup il a raté, hein. Honnêtement il s'est fait le je vais y arriver. Bon, je sais plus ce que je voulais dire, mais il s'est complètement fail, et du coup, moi, je me suis remis complètement bien dans la game, et ça, c'est plutôt posé. J'ai un peu du mal avec l'élastide. Bon, voilà, maintenant, c'est bon, j'ai récupéré mes sorts, hein. Il va plus pouvoir me harasser comme il m'a harassé tout du long. Il a combien de farm? 7. J'en ai 11. C'est un mec qui joue, mais une agressivité... Mais là, par contre, il est niveau 2, donc... Je ferais pas trop le con, parce que... Voilà, il y a ma plantounette qui tape, tu vois. Ma petite plantounette, elle te met quelques coups, je te rassure, Ziggs, tu devrais pas trade. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, il y a Aatrox qui décale en bas. Oh, joli move, ouais, il est mort lui. Bien joué, le Nunu qui a un peu sauvé la situation en bas, à ce que je vois. Donc voilà, ma plante, il l'occupe. C'est un Ziggs qui a joué agressif, mais il a fait un move vraiment débile en early. Du coup, là, son agressivité était justifiée parce que j'avais fait un start assez bizarre. Je voulais pas qu'il s'en rende compte. Et en fait, j'ai misclick au moment de choisir mes sorts. Et du coup, enfin, j'avais pas mon A. Et je trouve que le A, c'est quand même assez vital sur mon perso. Putain, là, il me met vraiment trop de poke. Heureusement, il y a ma plante qui lui a rendu à peu près ce qu'il m'a mis. D'ailleurs, il est con, il se prend des coups gratuitement. Il faut jamais rester trop près d'une plante d'une Zira AP, hein. Parce que ce genre de perso, vous voulez pas rester trop près de ça. Mais bon, après il a fait un build assez
assez défensif dans le sens où il a start flask, donc ça veut dire qu'il était parti pour agresser de toute façon. Donc clairement il a raison de d'agresser comme un porc. Hein. Et il m'out farm parce que je me concentre pas du tout vu que je vous parle. Bon allez vas-y, je vais essayer de me concentrer un peu là. Hop, on farm tout ça tranquillement. Ah le nunu qui est vu. Voilà. Bon bah là du coup tu vas être forcé de back. Enfin je te souhaite de back parce que... Non ça n'a pas passé. C'est dommage. C'est dommage hein, il devait manquer 0 de dégâts. Honnêtement là, là ça aurait pu passer. Il lui manquait ouais, il avait 30 PV de trop. J'aurais peut-être dû regarder. C'est vrai que c'est quelque chose que je fais pas spécialement. Bon voilà du coup c'est pas grave hein, je lui envoie... Son farm sous tour, donc c'est des niveaux en plus pour moi, hein, il est pas du tout niveau 6. J'ai un peu foutu le flash à la poubelle, je voulais... Ça aurait pu être Warsit hein, si je l'avais kill, mais je l'ai pas kill. Il manquait un petit peu d'AP. Bon, c'est pas grave, alors moi je start un petit peu à ma façon, hop, comme ceci, on va prendre une petite ward des deux popos, et on va continuer. Il est à combien? Il est à 31 de farm, mais bon, faut dire qu'il a fait vraiment n'importe quoi. S'il avait pas fait ce move débile... Putain, ce Nunu qui counter jungle, c'est super amusant. Atrox, c'est la première fois que je joue avec ce personnage dans une game, donc je sais pas ce qu'il vaut. D'après mes amis, c'est un personnage late game, et pas vraiment hyper fort en early, du coup je comprends pourquoi le Nunu va dans sa jungle. Hein, parce que Nunu, c'est un peu un tout-terrain, genre de perso en jungle, enfin ça risque pas grand-chose. Oula, je me suis pris le deuxième rebond de sa bombe, c'est un peu dommage. Hop, on essaie de last hit du mieux qu'on peut. Ziggs, c'est un perso un peu chiant, parce que c'est vrai que ça poke énormément, et... Hop là, touché. Et là, du coup, t'es mort. J'ai mis l'embrasse, histoire qu'il meure. J'aurais pas dû, hein. C'était de l'overkill, clairement. Mais c'est pas grave, parce que j'ai eu mon kill, et du coup, je suis content. Du coup, voilà, donc là, clairement, bah, je pense que je le domine, le Ziggs, hein. J'ai l'avantage sur lui. Donc, le move du Nunu était bien. Il m'a carrément aidé. Enfin, sans lui, on aurait clairement pas fait ce kill. J'étais pas parti pour faire un kill, et puis en fait, le Nunu était là, du coup... Ça s'est bien ficelé. Je suis quelqu'un qui manque beaucoup de sens d'observation sur ce jeu. Du coup, le Nunu, je vous cache pas que je l'avais même pas vu en fait. Hop, j'ai tendance. Ah, ça j'adore ça. Ça c'est un truc que j'adore faire. C'est genre clean les res à distance avec Zira. C'est génial, vos plantes le font pour vous et en fait. Et voilà, et j'ai récupéré le truc après un certain temps. Alors, le Atrox a vraiment. Pas l'air efficace, alors que par contre notre Nunu à nous, lui il a une efficacité. Ah mais il est même pas niveau 6 en fait, leur Ziggs, j'avais pas vu. Il est complètement au fond en fait. Je lui mets deux niveaux, c'est énorme hein, deux niveaux, c'est colossal. Quand un mec contre vous est niveau que je suis et que vous êtes niveau 5, enfin voilà 8-6, c'est vraiment beaucoup. Donc là normalement je suis clairement devant, j'attends mon bleu, parce que j'ai deux popos, je vais pas les claquer tout de suite. Ah bah apparemment Nunu est pas prêt d'aller me préparer mon bleu. Donc c'est pas très grave. Ouh, toi t'as bien fait de bouger tes petites fesses. Parce que, excuse-moi de te dire ça, mais quel con. Il se prend des coups tellement gratuits de ma plante. Et du coup voilà, en fait ça fait le poke pour moi. Hein. Il joue vraiment... Les gens n'ont pas l'habitude de jouer contre Zira au mid. C'est pas un perso contre lequel les gens jouent d'habitude au mid. Et du coup ils sous-estiment. Mais ça c'est ce que je me rends compte à force de la jouer au mid. Parce que c'est un perso que je joue beaucoup au mid. Je la joue vraiment rarement support, je trouve que c'est un bon support, mais j'aime bien la jouer au mid, moi. Et du coup, les gens sous-estiment complètement le poke de Zira. C'est de la folie, je vous jure. Alors que Zira, mais ça poke, hein. Et surtout ses plantes. Surtout ses plantes. Les plantes de Zira, c'est un des trucs qui poke le plus. Je vais essayer de ping le Nunu pour qu'il se bouge pour mon bleu, parce que voilà, là, le Ziggs va avoir son bleu, donc je vais en profiter pour le pusher. Voilà, là, le Ziggs, il est allé à son bleu, hein, c'est évident. Hop. Et un A. Voilà, je lui push sa vague de creep. Et j'espère qu'on va aller faire mon bleu. Voilà, bon bah. Yeah. Du coup, je vais attendre tranquillement. Est-ce qu'il a son bleu? Ouais, il a son bleu. Non, il l'a pas. Ah, c'est bizarre. Je sais pas ce qu'il est allé faire du coup. C'est bizarre. Hop, merci Nunu. T'es un amour. Ah, il l'a pris. À cause du raid. Ah, c'est con ça. C'est con. C'est dommage. C'est dommage. Du coup, j'ai pas de bleu. Bon, après, Nunu est assez efficace, j'ai l'impression, donc c'est pas hyper grave. Mais c'est quand même dommage. Il y a un SS là. J'avais pas vu, mais en fait, Ziggs il est parti.
Cette ward, c'est un mauvais placement de ward. Idéalement, faut la foutre ici. D'ailleurs, je ping, mes alliés doivent pas comprendre. Je descends, parce que vu que mon Ziggs est pas là et que le farm est sous tour, aurait clairement descendre. Hein. Ah ah ah! Oh le con! Attention au R de l'autre débile là. Je le savais. J'ai pas regardé, mais je le savais. Je savais qu'il allait passer le R. C'était écrit, hein. je savais qu'il allait venir. Je savais qu'il allait être là. Je me suis dit attention, mais j'ai pas assez réfléchi. Il arrivait. Tiens, ils ont augmenté le prix des bottes de sorcier. Je savais pas ça. C'est une petite nouveauté. Oui, parce que je découvre un peu les mises à jour en même temps que je joue. Du coup, on va quand même les prendre parce qu'on va repop à temps. Ah, c'est trop con là ce que j'ai fait. C'est vraiment trop trop con. Par contre, je mets 20 creep aux X et ça c'est plutôt bien. Voilà, mon Nunu il va récupérer mon farm. Je regarde un peu. En bas, ils se font un peu assiéger, mais je pense qu'ils sont pas trop en danger. Il y a quand même Namik et Oum. Et puis, ils ont un Fiddle qui est un peu susceptible d'ultime. Mais je m'en rends pas compte. Non, je pense que ouais. Est-ce que je les rejoins? Non, je pense que ça va des push tranquillement, il va y avoir le Nunu. Moi, je vais pusher mon mid déjà, première chose. Et après... Hop, voilà. Hop, moi ça push en 2 secondes, hein, Zira. Hop. Bonjour, merci, au revoir. Je vais faire mes rests. De toute façon, ils ont l'air d'avoir... plutôt de s'être bien repliés en bas. Bim. Et là, ça se termine tout seul. Ouais, Zira, c'est la magie. C'est, vous pouvez faire vos rests à travers le truc. Et normalement, les plantes tank. Et du coup, vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit. C'est absolument trop bien. Haha, coucou. Je t'ai senti, toi. Je me suis dit, ça pue du Aatrox là. Ça pue du Aatrox. Et voilà, il était là. Alors, ça va, Ziggs? Je suis niveau 10. Non, mais là, clairement, je te conseille de pas faire le mariole. Voilà. Juste, c'est le trade gagnant pour moi. Et pas pour toi, petit Ziggs. Je te mets un trade et tu perds. Ouais, non mais j'ai vu, t'inquiète pas. Ah, dommage. Ah, c'est pas mal le move du Nunu. Ah mais il est complètement au fond en fait. Raté, j'ai raté mon flash, ce qui est absolument dommage. Alors attends. Et voilà. Oh là, il y a un énorme freeze. Mais... Ça, c'en est plutôt... bien tiré. J'ai pas trop compris. Voilà, le Nunu a survécu. Je profitais pour pusher. Et j'ai pris un kill. Donc, je pense qu'on peut dire que ça s'est plutôt bien passé. Ah, j'ai un bon farm. Hein. Honnêtement, c'est pas tout le temps que vous avez 100 creep à 13 minutes. C'est pas excellent. Hein. Je veux dire, normalement, vous êtes... vous devez avoir à peu près 10 fois la minute de jeu en creep si vous êtes un farm parfait. Mais le truc c'est que quand vous comparez aux X qui a 72, en fait c'est bien, je lui mets 30 creep, donc ça veut dire que globalement j'ai gagné ma lane. En plus il est en 0-3, moi je suis en 3-1. Ma team a l'air d'être en train de plutôt gérer derrière, ça snowball bien. Le Varus en 4-1, le Nunu en 4-0, non clairement je pense qu'on est très très bien. On a une très bonne team, je l'ai pas souligné, mais je pense que notre compo est meilleure que la leur en général. Donc voilà, je sais pas comment ça va se présenter pour l'avenir. Oulala, non mais là c'est bon, c'est la folie meurtrière, on a gagné. Bon, en tout cas on est en train de snowball, donc on va en profiter. Peut-être qu'il y a l'heure bleue, je vais aller checker, ça pourrait valoir le coup. De toute façon, là la tour va tomber toute seule, je vais la laisser pusher. Là, il n'y a pas l'heure bleue. Ah, c'est beau de rêver. Je vais continuer à pusher cette tour, hein. c'est toujours ça de prix, hein. C'est du deny pur et dur. C'est-à-dire que plus vous pushez, plus l'ennemi perd du farm, perd de l'XP. Et du coup, plus vous prenez d'avance en fait. C'est-à-dire que tous les creeps que vous pouvez faire s'exécuter comme des débiles sur la tour, bah il faut... C'est super intéressant. Je vais faire mes rests aussi. Hop. Alors attention, donc là, bon ça c'est un truc, vous le faites à distance. Hein. Et voilà. C'est magique. Zira, c'est magique, j'ai toujours pas utilisé mes deux potions. Ok, donc là clairement ce Ziggs, il a 3 niveaux de retard, il est au fond là. Là je peux faire ce que je veux sur là. Si je le touche, il sait qu'il va prendre trop cher. Hop. Si je touche le Ziggs, il est mort. En plus, j'ai l'impression que leur Aatrox n'est plus une menace, parce que d'après ce que j'ai compris.
Ah là là, tu paniques, hein. Voilà, je te mets un petit coup, j'esquive tes bombes. Oh, regarde qui c'est qui donne l'agression, mon petit Ziggs. Hein? Je crois que c'est moi, mais il y a mon bleu là qui est dispo. Ah, tu prends du poke vraiment gratuitement, Ziggs. C'est assez idiot de ta part, hein. Oh là là, ce génie! Oh là là, avec la plante et tout! J'ai rien fait, j'ai eu le kill! Ah, oh, ce génie! Ce Nunu est super, hein. Je tiens à souligner quand même, un Nunu qui fait du 4-0, il est super fort. Bon, il a aucun farm, parce qu'il fait clairement pas sa jungle, mais le mec passe sa vie à ganker, et surtout, ça marche. C'est rare, enfin, je trouve, à mon niveau, un bon jungler. Et franchement, alors, c'est un avis, il y a plein de gens qui sont meilleurs que moi, mieux calés sur LoL, et qui diront que c'est faux, mais je pense que c'est vraiment le jungler qui mène la danse à bas niveau. C'est-à-dire que, à haut niveau, le mid avec ses décalages, le top aussi avec ses décalages. Yazix qui dit lol 649 de notes, that awesome plant. Je vais lui répondre. Never underestimate Zera plant. Et puis. Bon, ça va, il n'y a pas de rage pour le moment trop. Il n'y a pas trop de rage dans cette partie. Aïe. Bon, voilà, bon, clairement, je pense qu'on a gagné cette game. C'est pas dit, hein, c'était tout peu. Là, je prends un peu des free dégâts, mais c'est pas grave parce que j'ai des popos, donc. Clairement, il y a vraiment. Donc là, t'es mort. Parce que t'as un petit peu fait le con. Et du coup je te tue. Donc ce que je vais faire, c'est que comme il y a vraiment pas de menace dans cette game, ah bah j'ai son bleu. Ah bah non j'ai un bleu, mais c'est peut-être le sien, je sais pas. Non c'était le mien, n'importe quoi. Bon là il y a pas de menace, donc ce que je vais faire, c'est que je vais, voilà, je vais pusher la lane tranquillement. Hop. Bon de toute façon la partie elle est terminée, hein. Enfin sauf erreur monumentale de notre part, on a gagné. Nasos est strong. C'est qui Nasos? Je sais pas qui c'est moi Nasos. Bon, en tout cas, voilà, bon, là, sa tour, elle va tomber à terme. J'ai 2500 gold, donc je suis... Oh là là, j'ai deux corps items, presque. C'est vous dire à quel point je suis bien dans la game. Je pars direct Zhonya, moi. Je suis un mec comme ça, qui aime bien les dégâts. Dominating, oh là là, ça snowball dans tous les sens. Ils sont pas tombés une seule tourelle. Je pense qu'au K gold d'avance, là, on fait du 25. On les défonce au farm, on les défonce au tour. Je me demande à combien de K gold on est, mais à mon avis, ça doit pas être glorieux pour eux. Putain, mais regardez-moi ce Nunu, quoi. Le mec, il s'en bat les steaks. Il vient, il défonce. C'est Nunu beat OP at the moment. Oui, ça c'est vrai. Hein. Mais c'est aussi parce qu'il le joue bien. Honnêtement, je veux dire, une grande partie du succès du Nunu est due au mec qui joue le Nunu plus qu'autre chose. Hop là, on prend tout le farm. Je laisse pas de farm à mon ADC, moi. Moi, je prends tout. Bon, je suis à 168 de farm à 18 minutes. C'est très très bien. Ça veut dire que c'est comme si on m'avait laissé free farm, hein, presque. Hop. Les deux, ils se prennent. Et voilà. C'est magnifique, j'adore mon perso. C'est ridicule. C'est absolument ridicule. Zera, c'est ridicule. Bon, là j'ai été snowball par ma team, hein. Je vais pas vous cacher que... Oh là 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 là, mais regardez-moi ces dégâts. C'est complètement ridicule. Ils sont perdus, hein. Et pour le coup, je vous promets un truc, c'est que j'ai pas choisi cette partie spécialement, hein. Genre là, je me suis mis sur LoL, j'ai dit ok, je vais tourner une game où je vais, là, voilà, je vais annoncer que je tourne une game pour mes abonnés. Bravo, super build team Varus. Bon, attends, non, je vais quand même reculer un petit peu là, parce que sur un ultime de S plus Ziggs, je pourrais y passer. Cherchez mon Abaddon. J'ai pas envie de crever. Ce serait trop moche de gaspiller un 6-1. Hop. Voilà, là j'ai mon rabat. Je vais attendre un petit peu que mes PV remontent. Il va y avoir mon bleu qui va pas tarder. De toute façon, la game est terminée, on va aller la finir. Donc c'est bien, ça fait une game courte. Regardez, mais qu'est-ce qu'il fout lui, split push. C'est n'importe quoi. Donc la game est terminée, dans le sens, enfin je pense qu'elle est terminée. Après, sauf si les mecs sont des putains de génies et arrivent à retourner sur des erreurs de notre part. Mais je pense que nos mates sont un peu au-dessus, même en termes de niveau, hein. Regardez ce putain de troll. C'est un putain de troll ce Singe. Faire ça avec Singe, c'est magnifique. Et le S peut pas défendre parce que... Alors attendez, on va essayer de faire un move un peu skillé. Déjà je le prends. Qu'est-ce que tu fais?
J'aimerais bien savoir ce que t'es en train de faire, mon gars. Ah ouais, quand même. Il a failli me tuer, hein. Eh, il est costaud, le mec, hein. Il était pas mal, son move, il était pas mal. Ça aurait peut-être valu le coup que je erre dans le tas. Bon, en tout cas, il a failli me tuer. Heureusement pour moi que le Xi n'était pas trop faible. Bon, ils ont surrend. Franchement, ça se comprend. Parce que bah, c'était un peu un rape. Du coup, écoutez, voilà. C'était une petite game, comme ça. J'ai pas eu le temps de vous parler de beaucoup de choses. Mais c'était pour vous mettre un peu dans le bain des games de LoL que j'avais prévu de faire. Donc voilà, si ça vous a plu, sachez que je ferai d'autres games où je serai pas seul. Parce que je trouve que c'est sympa de jouer seul, mais c'est quand même beaucoup plus cool de jouer avec des gens. Je vous ferai peut-être des petits commentaires comme ça en solo, où je pars en normal, voire même en ranked. Le truc c'est qu'en ranked, c'est plus prise de tête, les gens s'énervent et tout. Au moins en solo, des fois ils disent, bon bah si on perd ou si on gagne, même si ça arrache pas mal aussi. Les gens en solo, on peut toujours leur sortir l'argument du « it's normal game, don't worry, if we lose, it's fine », machin. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous ne connaissez pas le jeu, clairement, vous avez rien compris. Et je vais pas faire, malheureusement pour vous, l'effort de vous expliquer. C'est trop long. C'est pas du tout le but des vidéos. Si vous connaissez pas le jeu, je vous invite à jouer parce que c'est la meilleure façon de comprendre. Si vous connaissez, bah, j'espère que la petite game vous aura plu. Je vous proposerai un peu plus de contenu régulièrement en essayant voilà, de varier un peu les trucs, de trouver des délires, des thèmes. Il y a quelqu'un qui a proposé, par exemple, un thème de glace où par exemple, on ferait s'affronter des équipes. Enfin, en gros, on choisirait une équipe basée sur la glace, et donc on prend que des persos gelés, genre Anivia, Lissandra, des persos comme ça, Ashe, Sejuani. C'est en gros, c'est Freljord, quoi. Peut-être d'autres trucs. Si vous avez des idées à me soumettre, n'hésitez pas, en espérant que ça vous ait plu. Laissez un petit pouce vert si vous avez aimé, ça me permet de savoir combien vous avez été à regarder. C'est un petit indicateur personnel, parce que les vues, ça peut être fait par une seule personne. Et voilà, merci à tous, et à la prochaine. Ciao.